Tchin, tchin. C'était exactement de ça que j'avais besoin. Cute. Ça marche pas, en tout. Je vais goûter à ça. Samedi matin, pyjama! Miam, miam, miam. C'est des livres typiques de Disney. Plusieurs heures plus tard, je viens tout juste de fermer mon ordinateur et de check out pour le week-end, pour la journée. On est vendredi, rendu 4h30 et puis j'ai passé littéralement toute la journée à l'ordinateur aujourd'hui. Fait que vous avez absolument rien manqué. On est à ce temps de l'année où j'ai des semi-décorations de Noël et slash d'hiver, semi-décorations d'Halloween. Fait que... c'est un projet pour plus tard, évidemment, mais je me dis tant qu'à les ranger pour les ressortir dans quelques semaines. Moi, là, c'est un petit bonhomme de neige chillé là. Anto avait son rendez-vous pour son changement d'huile cet après-midi et puis il s'en va chercher Théo à la garderie. Moi, j'essaye de faire un petit clean-up tant qu'à y être. Fait que j'ai reçu une couple de petits colis aujourd'hui de Skin Proud qui m'ont envoyé des produits pour la peau. Et un bâton cooling eye, un stick sérum yeux rafraîchissant. Ça me fait penser un peu au produit de Tula que je mets en dessous de mes yeux le matin pour me réveiller. Puis Nexus m'a envoyé shampoing revitalisant que je suis très excitée d'essayer parce que j'ai jamais essayé leur produit, mais il me semble que j'ai juste entendu des bons commentaires. Fait que très contente de ça. Comme je dis, je vais faire juste un petit clean-up de la cuisine principalement. Je vais aussi essayer de déterminer qu'est-ce que Théo va manger pour souper. J'avais pas du tout pensé à ça, puis son heure de souper est quand même proche quand il revient de la garderie. Là. On essaye de le faire souper pas trop tard pour qu'il prenne un biberon juste avant de se coucher, parce que si on rapproche trop les deux, ça marche pas en tout. Fait que... on a un restant de riz de cette semaine avec des légumes, du poulet. Je pense que ça va être ça. Je vais mettre une petite sauce barbecue dessus parce que je me sens qu'il y avait trippé moyen. Avec une petite sauce, ça aide toujours. Fait que ramasser mes petits déchets d'aujourd'hui. Puis commencer le week-end. Très excitée. On a un week-end assez relax de prévu, je dirais. C'est bien correct parce que me semble que les dernières semaines ont été assez intenses. Fait que... c'est toujours le fun après ça quand on a genre un week-end ou deux de suite, qu'on est chill, qu'on a aucun engagement. Je pense qu'on va travailler, ben on a un souper de famille puis on risque de travailler sur le terrain, mais tu sais, rien de bien extrême. Fait que bien excité pour notre week-end relax. Ça c'était tous nos papiers qu'on avait sur le frigo que j'ai vidé parce que j'ai tanné les voir traîner. Je vais faire un ménage là-dedans. C'est vrai que je m'occupe de ça. Coupelle. Comme de fait, on était affamés. Non. Il me reste mon restant de pâte d'hier. Que je vais manger pour souper quand tu es en train de me faire réchauffer. Puis, c'est sûr que ça va être un vendredi soir leftovers. Pour tout le monde, Théo, maman et papa, parce qu'il va manger des ailes de poulet. Ça fait beau! As-tu besoin d'autre chose à l'épicerie? C'est le
Est-ce que c'est samedi matin pyjama? Yeah! Oui, on veut tout le temps enlever notre truc. Théo, est-ce qu'on s'en va voir grand-maman? Est-ce qu'on va voir grand-maman? Yeah! Chin, chin! Yo, chin! Il est immense, le venti. Les coffres de Noël sont arrivés! Les cafés de Noël sont arrivés! Je suis vraiment excitée. J'ai pris le latte caramel brûlé. Mais il y a le marron praliné aussi, qui est délicieux. Je sais pas si c'est un latte, par contre, ou un... Je pense que oui. Ou un macchiato, mais bref. Oui. Fait que, en taux classique, frappuccino au caramel. Il a goûté à ça une fois. C'est quand? Je sais pas. C'est en Thaïlande. C'est quand on était en voyage en Thaïlande. Ah oh. Ouais. Ah, c'est plus c'était Kim qui avait pris ça, je pense. Ouais. Puis... quand on était à Longueuil, dans le temps. En taux, il y a... Jamais dérogé de ça. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je fais goûter mes cafés, ils ne trouvent pas bon. Celui-là est bon. Là. Celui-là est bon, hein. Il est vraiment chaud. C'est pas bon, mais c'est un goût que je fais. Mais le cup est tellement beau. Dut! 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 Est-ce qu'on s'en va voir grand-maman? On va aller aider grand-maman à poser une petite toile chez elle. Et puis, les plans pour la journée. On travaille sur le terrain un peu. Ouais. Il annonce beau, il annonce quand même chaud pour une journée de ce temps-ci l'année. On a genre 10 degrés, gros soleil. Fait que je pense que ça va être une bien belle journée. Le parento va venir nous donner un petit coup de main aussi plus tard. Fait que ce soir, on a un souper chez mon père avec mon frère. Ça va être vraiment cool. Très copieux comme souper. Ouais, j'adore. Ça va être, ouais, ça va être le fun, j'ai hâte. Fait que une belle journée en perspective. Mmh. Yo, papa! Tata! Plein de bonne nourriture. Miam, miam, miam. Non, 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 pas la nourriture du chien. On va tasser ça de là. Coucou, Nikki! Théo pense que t'es un chat. Hey, mon coquin. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais c'est le téléphone, il fonctionne, on peut pas jouer avec lui, c'est pas un jouet. Oui, c'est le système de son. Oui. Le congélateur à ma belle-mère a lâché cette nuit, ben hier soir, fait que elle est en train de faire cuire toute sa nourriture qu'il y avait dedans. Elle nous a donné plein de choses. Des pains gumbo, mélange à pains gumbo. Elle nous a donné des légumes, des petites saucisses bacon. En tout cas, un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires. Puis c'est malade parce que Anto se souvenait que sa mère, elle avait gardé des livres de quand il était jeune. C'est des livres typiques de Disney. C'est débile. C'est fou comment tout est en bon état, là. Il y a un paquet de livres là-dedans. De quand les gars étaient jeunes, que leur père leur lisait. Vraiment tout plein de classiques. Dingo, gardien d'enfant. Le bal costumé de Minnie. J'ai jamais vu, moi, ces éditions-là, ces modèles-là. Moi, j'avais des modèles rouges, me semble, que j'ai dans la tête. Peut-être que je me trompe. En tout cas, hey, y en a, là. Y en a. Genre, y en a, y en a. Fait que c'est vraiment cool. Ça va être le fun. Des petites histoires pour Théo. Puis, c'est le fun de passer ça de génération en génération. Donc, on regarde ça juste avant de partir chez ma belle-mère. C'est vraiment génial. Fait qu'on va mettre ça avec la collection de livres pour bébé. Puis, on est en train de faire dîner Théo. On va le coucher pour sa sieste après, puis se mettre à travailler sur le terrain ensuite. On est vraiment, vraiment bien dehors. C'est le fun. Il fait genre 12 degrés, gros soleil. Fait que ça réchauffe pas mal. Donc, ouais, on va aller ramasser des feuilles. Mon beau-père est là pour venir nous donner un petit coup de main. Belle journée à l'extérieur. OK.
Mon beau-père est en train de faire des petits tas. Puis moi, je vais prendre la balayeuse à feuilles. Black & Decker, meilleur achat ever. Si jamais vous avez des gros arbres et plein de feuilles sur votre terrain, là, ça les déchiquette toutes. Puis on a juste à mettre ça dans les sacs de même. Puis pour ça, c'est full compact. Fait que, let's do this. Sérieusement, quelqu'un qui dit que c'est pas un workout ment définitivement. Ça fait 2 heures, c'est sûr je vais traquer des épaules puis des jambes. J'arrête pas de me lever puis de me pencher puis de couper plein de feuilles, plein de branches. On a coupé tous nos arbustes. Ben pas tous nos arbustes, mais on a 2 rosiers. On a coupé nos 2 rosiers. Je fais ça à chaque automne, pas mal, puis ils repoussent vraiment plus beau l'année d'après. Fait que on travaille sur leur force en ce moment. Fait que ça, toutes les petites brindilles, pas les brindilles, qu'on appelle ça des plantes. Je cherchais le nom, là, mais en tout cas, on va dire c'est des plantes. Et puis, on ramasse les tas de feuilles avec la balayeuse à feuilles, ça se passe bien. C'est un bon 2 heures qu'on fait ça, puis Théo dort depuis le tout début. Il s'est réveillé une fois, puis il s'est rendormi aussitôt. Fait que j'imagine qu'il a besoin de pas mal de sommeil. Ça se passe bien, ça avance bien. Il en reste encore un peu, mais somme toute, on est bien contents. On a un sac ici qu'on va mettre en avant. Cute! On est rentré de l'extérieur. C'est hilarant. Puis je viens de finir de me préparer. Je me suis dit que tant qu'à ça, j'allais mettre mes petits rollers dans mes cheveux. C'est génial parce que j'ai pas besoin de mettre de chaleur dedans. Je peux juste mettre ça puis il reste beau genre pendant 2 jours. Fait que j'adore ça. C'est vraiment mon nouvelle affaire préférée. On a ramassé presque toutes les feuilles au complet. Il en reste un petit spot sur le côté de la maison, entre la 17 et la maison. Je pense que demain, il était censé faire full de pluie. Finalement, il annonce à peu près comme aujourd'hui. Fait quand même beau, un petit peu plus frais, mais c'est pas si grave que ça. Puis je pense qu'on va peut-être donner un dernier petit coup puis ranger les stocks d'extérieur. Puis après ça, tout va être fini pour ça. Fait que ça va être génial. Je viens de finir de faire le sac à couche de Théo pour ce soir. On va aller souper chez mon père, comme j'ai dit, manger de la bonne raclette et célébrer une fois de plus ma fête. C'est la dernière affaire. Après ça, c'est fini. C'est pas vrai. Lundi, il y a quelque chose dans l'avion, mais... C'est assez difficile là, de rassembler amis, famille, plein de gangs d'amis différentes tout en même temps. Fait que c'est séparé sur plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on veut? Là, j'allais essayer de déterminer qu'est-ce que je vais mettre ce soir. J'ai ce chandail-là que j'aime vraiment beaucoup. Off the shoulder, que je me dis qu'il pourrait être quand même cute parce que il est chaud, mais genre c'est quand même mignon. Puis sinon, j'en ai un autre du Dynamite que je voulais peut-être mettre. Soit celui-là qui est exactement dans le fond même que j'ai mis au souper de fête de moi bientôt, mais en blanc. Celui-là du Dynamite de l'année passée, on dirait que je le file moins. Ou celui-là du Dynamite aussi de l'année passée. Fait qu'il y a un genre d'ouverture ici, mais il monte dans le cou avec le twist. Puis ça, c'est là. Fait que ça pourrait être quand même cute. Je pense que je vais y aller typique avec mes jeans, mes pantalons en faux cuir pour mettre avec ça. Il va falloir cuire du Dynamite aussi. J'aime beaucoup le Dynamite, hein, ces temps-ci. Je pense que ça va être ma meilleure option. Je vais mettre mes pantalons puis je vais voir après. Ouais, je vais y aller vraiment basic. Avec le même outfit que j'ai mis l'autre fois, mais avec le chandail noir. Enlever ça parce que c'est pas facile de se préparer avec une grosse affaire sur la tête. Juste un petit peu plus de volume. Je vais garder celui-là un petit peu plus longtemps vu que on part pas tout de suite, puis ça va avoir le temps de faire son travail. Ok, on a tout. Oui, mon bébé. Pour attendu 20 soupers à Théo. As-tu besoin d'autre chose? Ça, c'est le sucre.
Tout est sur le confort, je crois. Yeah. Ça tuque une pantoufle, je sais pas l'autre est où. Dans ton chausson. Okay. Moi, je pense. Allez, vous couchez quand même, si on va dormir tard. Il va dormir. Celui-là, c'est le principe, là. Parce qu'ils ont comme Energy Drink qui est celle-là, qui est quand même popée. Puis ils ont une boisson comme style Gatorade qui disent que c'est pour l'hydratation. Il y en a juste une dans toute leur gamme qui est vraiment de l'hydratation. Puis tout le reste, c'est comme le contraire. Ah ouais? Mais ils se disent comme. Tu peux la virer, hein? La mettre genre en dessous, là? Ouais. Ou pas? Oui. J'ai vu une vidéo justement qui lui expliquait. C'est Gatorade, c'est quoi leur. C'est comme potassium pis. Du calcium, je sais plus trop. En tout cas, faut que ce soit un des deux pis. Je vais goûter à ça. Ah, t'es d'ailleurs pour Prime? Ouais, je vais l'essayer. C'est ça, je me disais, ça me fait penser au popsicle. Ben, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça, la saveur. Mon étudiant m'a dit que c'était fucking sucré. Il est sans sucre, celui-là en plus. Ah ouais? Okay. Ouais. C'est bon. Ça a l'air chimique. Peux-tu goûter? Ça ouais. Goûte le popsicle. Le popsicle? C'est bizarre. Non, c'est bon. J'aime ça. C'est pas trop bon, intense. C'est bon, ouais. C'est sucré, mais c'est pas sucré, genre. Ouais, ben c'est zéro sucre, fait que c'est de l'aspartame, sûrement. Ouais. Ah ouais, okay, t'as comme le goût pétillant, comme on dirait que ça va kicker une fucking sucré, mais finalement, c'est pas ça. Mais surtout parce que c'est quasiment comme le popsicle. Je pense que le popsicle est quand même sucré. 140 mg de caféine. C'est quand même bon. Mais ouais, pas mauvais. Là, moi j'ai pris du vrai sucre, par contre. Un peu de temps. Ouais, t'as pris des bonbons. Yum. Direction souper. On a besoin d'un petit remontant. Antoine a besoin d'un petit remontant. Parce que la journée. Oh, nice! Ah, mais tantôt. C'est quoi? C'est très glisse. Yes. Ceux-là sont sonnés. Ça, puis les bleus, c'est les pestes, là. Ouais. Ils m'ont fait des petits ballons? Oui, j'ai vu. Ah! On vient d'arriver. Si jamais vous cherchez une bonne recommandation de vin rouge, là. Très très bon, celui-là. Et où le ballon? Boing! Avec la belle serviette des années 95. Mais tu sais que Caroline, hein? On devrait être pas pire pour la raclette, hein? Bien. Du petit brie. J'ai jamais mis de brie dans une raclette. Mais ça va être incroyable. Incroyable. Miam, miam, miam. Je suis allé au Valentine, j'ai mangé des top-dogs, j'étais pas du tout. Imagine-toi. Qui a pris moi, les amis? On vient juste de revenir et on s'en va se coucher. On a passé une full belle soirée. Mais on est brûlés, puis c'est le changement d'heure cette nuit, fait que espérons que ça se passe bien. Bon matin! C'était le changement d'heure cette nuit. Et puis Théo fait ça comme un grand garçon. S'est levé à genre techniquement 8 heures du temps de l'ancien temps. Donc 7 heures du vrai temps. On peut pas s'en plaindre. Fait que dimanche, aujourd'hui, dimanche midi, on tue depuis ce matin. On joue
Et puis là, Théo est en train de dîner. Quelques plans aujourd'hui, c'est à peu près sensiblement le même plan qu'hier, c'est-à-dire de travailler sur le terrain. On a un paquet d'affaires à faire autour de la maison. Des trucs dans le cabanon, je vais ranger les pneus, je fais du lavage depuis ce matin. Bref, plein de choses. Plein de choses de propriétaire de maison. Mais c'est quand même le fun, fait beau, le soleil est sorti pis tout, fait que on peut pas s'en plaindre. Même chose qu'hier, même chose, le père Anto s'en vient faire un tour pour nous donner un petit coup de main. Donc, toujours très apprécié. On l'exploite pas en passant. Il s'est proposé. C'est pas mal tout, on n'a pas grand plan. C'était comme notre seul plan, c'était le souper d'hier, qui était vraiment le fun, soit dit en passant. Là, on a beaucoup trop mangé, c'était quelque chose. Il y avait de la bouffe là, on était genre 6, 1, 2... 3, 4, 5, 6. Puis il y avait de la nourriture pour genre 10 personnes, ça avait aucun sens, mais c'était délicieux. On est reparti avec plein de restants. Tout le monde est reparti avec plein de restants, fait qu'on a plein d'affaires pour nos repas de cette semaine, ce qui est génial. Toujours bien le fun de commencer la semaine avec aucune épicerie faite, mais plein de bouffe dans le réfrigérateur. Fait que on va essayer de concocter des petites choses cette semaine avec tout ça. Mais ouais, petit dimanche tranquille à la maison. Et puis on va vous amener avec nous pour cette belle journée. Ah, ok, bon. 1, 2, 3. Boing! Boing! Il y a le ballon. 1, 2. On va mettre ça dans la shed. Allô, ma belle fille. Ah, il n'y a plus une feuille ici. Comme neuf. On va ranger ça dans le cabanon avec le divan puis la parasol. Fait que on va mettre ça dans le cabanon. La table, je sais pas ce qu'on va faire avec parce qu'on va s'en débarrasser, mais il est un peu tard dans l'année. Fait que il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Mettre les pneus là-dedans. Puis sur le côté de la maison, on a genre plein de feuilles là. Qu'on va peut-être s'attaquer à ça aussi. Viennent de faire une petite colmatation, ça se situe, de la porte de l'ancien cabanon que finalement on garde. Moi, je suis en train de faire un feu de foyer. On a plein de boîtes de carton. Puis ce foyer-là, il marche super bien. C'est juste pas un décor idéal, mais on va l'utiliser tant qu'à avoir plein de boîtes à se débarrasser. Regarde les mitaines, mon cœur. Tu peux les tenir quand même. Regarde. Tu veux-tu la tenir dans ta main? Regarde la mitaine. Regarde, prends-la comme ça. Tiens-la. Wow! Anto est en train de poser les lumières de Noël. Tant qu'à ce qu'on soit dehors. Le soleil se cache, fait que c'est pas très chaud, mais... C'est coco. Sont en train de rentrer le divan extérieur. Moi, je rentre avec Théo pour qu'il prenne une petite collation. Puis, ils vont mettre ça dans le cabanon. Fait que tout va être prêt pour l'hiver. Je vais essayer de planifier un petit peu les outfits de Théo pour cette semaine. Parce qu'on a une grosse semaine. Quoi de neuf? Puis, j'aime toujours ça. Faire ça quand j'y pense. Petit pantalon du Walmart pour vrai. Là, ça, c'est la vie. Pour la garderie, parce qu'ils sont vraiment pas chers. Puis s'il y a quoi que ce soit, ça me dérange pas. Et le 1. Les bas? T'as trouvé ça où? 1, 2, 3, 4, 5. Tous très basic, t-shirt, pantalon, that's it. Crew neck pour une journée. Ça, ça a fait moyen, mais c'est pas bien grave. Et puis, c'est ça, petit chandail manche longue avec petit pantalon pour tous les jours. Les bas, on verra. Puis,
Ça va être parfait. Beaucoup de gris, hein, cette semaine. Lundi matin, je suis en train de terminer de boire mon petit café qui pue bien ben chaud. Et puis le changement d'heure s'est fait ressentir ce matin. Théo s'est levé quand même vraiment tôt. Malheureusement pour Anto, c'est lui qui s'est levé. Moi j'ai dormi un petit peu plus. Mais je me dis que c'est pas impossible que ça prenne quelques jours à s'adapter pour ça. Je vais aller voir dans mon auto. On est à la recherche de la pantoufle de Théo. De genre ses petits chaussons là, qu'on met dans l'auto pour qu'il reste au chaud. Fait que. Hein? Ça me fait nice. Aujourd'hui, vraiment un lundi atypique. Avec mes amis, ça fait des semaines qu'on essaie de se planifier une journée au spa. Et puis, la seule journée qui convenait à tout le monde, c'était le lundi, vu qu'une de mes amies qui travaille pas. Puis, moi, je peux toujours arranger mes semaines en le sachant d'avance. Fait qu'aujourd'hui, on va aller faire ma dernière activité de fête. Sérieux, ça fait genre littéralement un mois, j'ai l'impression qu'on va faire ma fête. Puis, j'aime pas tant ça d'habitude, fêter ma fête, mais là, c'est gros 30 ans, fait que ça se fête à répétition. On va aller déjeuner ce matin. J'ai décidé d'aller au Allo Mon Coco parce que c'est une place que j'adore à cause des petites patates. Fait qu'on va aller là, puis après ça, on va aller au spa. On va essayer un nouveau spa. Fait que très hâte, on va être les trois filles, les trois amies, les trois petites mamans en congé ce matin. Et puis j'ai travaillé un peu ce matin, mais j'avais quand même des trucs à avancer. Mais du moins, j'ai fait l'essentiel qu'il fallait. En tout temps, de se préparer un rendez-vous dentiste lui ce matin. Ouais, tu vas manger dentiste, puis après ça aller travailler. Fait que j'essaie de rassembler toutes les petites choses pour aujourd'hui. Fait que je viens de préparer mon maillot, mes gougounes, tout le kit. Et puis là, je vais aller voir dans mon auto, justement, si la petite pantoufle à Théo ne serait pas là. On va aller essayer le spa Le Forena. J'ai jamais essayé. J'ai vu beaucoup de monde y aller. C'est à Sainte-Julie-Saint-Bruno, me semble, dans ce coin-là. Et puis, ça va être la journée parfaite pour faire ça parce qu'il fait 0 degré. Donc, on va se réchauffer dans les spas. Ça va être vraiment cool. J'attends que mes amis viennent me rejoindre ici. Et puis, on va aller là. J'ai vraiment faim. J'ai vraiment hâte de manger. J'ai vraiment hâte d'être au spa. C'est plus facile, pour vrai, des fois, de genre prendre une journée dans la semaine de faire ça que de prendre une journée de fin de semaine, puis avec tous les enfants, les routines, puis tout le kit. C'est important de prendre du temps pour soi, et puis que ce soit la semaine ou la fin de semaine, selon ce que votre horaire vous permet de faire. L'important, c'est de le faire, puis de penser à vous une fois de temps en temps. Fait que très hâte d'aller déjeuner. J'ai vraiment faim. Moi, c'est un petit sandwich. Voilà, je reviens de faire un petit, ce sera pas bien long. Bon appétit. Merci. Menu. Ah ouais, frais. Il y a quand même beaucoup de monde, hein? Pour un lundi. Fallait peut-être réserver. Wow! C'est cute! Wow! C'était exactement de ça que j'avais besoin.
Après un gros week-end en plus à travailler physique, là, on dirait que je me sentais tout ankylosée, puis là je me sens genre tellement zen, tellement paisible, relaxée, un peu endormie, je m'en dirais pas. Mais c'était vraiment une très belle journée. C'était super cool. On a pris finalement un petit quelque chose à dîner là-bas aussi en plein milieu d'après-midi parce que, ben, début d'après-midi parce qu'on avait vraiment faim malgré le gros déjeuner qu'on s'est enfilé ce matin. Après ça, on a continué à faire du petit spa, des petits bains, tout le kit. Donc c'était vraiment le fun. On est allé au Forena. C'est à Saint-Bruno, à côté du parc... comment ça s'appelle? Parc de la CEPAC, je crois, du Mont-Saint-Bruno. C'était vraiment le fun. Il y avait quasiment personne au début, jusqu'à genre 2h, puis à 2h, ça s'est rempli un petit peu plus. Mais c'était vraiment super. Vraiment, vraiment, là, ça a fait beaucoup de bien. Très contente d'avoir fait ça. Je m'en vais chercher mon petit coco à la garderie. Et puis, on va retourner à la maison tranquillement. Ça va y faire un petit moment pour se reposer. Puis on va attendre Anto qui finisse de travailler, qui revienne du travail. Je risque de travailler après avoir couché Théo. Là. C'est bien le fun tout ça de prendre des petites journées off comme ça, mais j'essaie quand même toujours dans ce temps-là de travailler genre le soir quand je peux, quand je pense, quand j'ai faut que j'avance. Fait que c'est ce que je risque de faire tout à l'heure. Waouh! C'était genre la température en plus parfaite pour ça, faisait comme 2 degrés, fait que quand même frais, moindrement que t'es en dehors des bains, mais relativement chaud quand tu es dans l'eau, fait que c'est juste parfait. Pas trop froid, pas trop chaud, juste idéal. Mon amie m'a aussi amené un petit cadeau de fête, elle est tellement fine, c'est tellement drôle parce que Anto m'a donné comme cadeau de fête le livre de Casse-l'Oignon que j'ai dit à tout le monde autour de moi que je voulais. Pas pour qu'il me l'achète, mais juste parce que j'étais trop obsédée avec son nouveau livre. Et puis, ma meilleure amie, elle me l'avait acheté aussi avec un paquet d'autres affaires, mais qui est trop fine. Puis elle a dit, ben, je l'ai gardé pour moi à place, mais je te donne quand même le reste du cadeau. Fait que, cute. Je montrerai ce qu'elle m'a. Un petit soin, genre robe de chambre et tout, avec masque, scrub pour le corps, des affaires pour relaxer, thématique de la journée. Et puis, 4 cadeaux. Un paquet d'affaires. Bref, elle est bien trop fine. Coucou! T'as-tu une belle journée à la garderie? Oui, hein? Le beau cadeau que j'ai reçu. Fait qu'une petite robe de chambre, je suis tellement excitée. J'adore les robes de chambre. Puis les miennes sont vraiment vieilles. Fait que ça fera pas de tort. Un petit masque pour dormir. Un petit bandeau pour les cheveux. Et puis on a... ici, c'est un soin exfoliant pour le corps. Puis un beurre corporel. Très excitée de ça dans ce bel emballage-là. Yeah! Je mets toujours une petite poche d'huile de lavande rélipidante de Avène. Quand il y a vraiment la peau sèche, c'est genre 5 pompes dans le bain. Puis ça aide, puis ça aide vraiment pour justement les peaux sèches. Fait que ça, de mettre ça pas mal toujours dans son bain. À date, j'ai pas vu de gros changements, mais je me dis qu'à force de l'utiliser, ça risque de faire une belle différence. On a joué un petit peu, on a soupé, on a mangé, puis là, c'est l'heure du bain! Merci. Il y a le canard. C'est ça. Quack, quack.